Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans le magasin Action qui se trouve à Crépy-en-Valois. Je vais aller faire un tour dans l'univers cuisine, vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut retrouver ici. Il y a pas mal de choses que je vous ai déjà montrées. Ça, j'ai eu un petit retour des personnes. J'aime bien avoir des retours comme ça. Il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils les utilisent en verrine et je trouve ça vraiment pas mal. Pour ceux qui boivent pas le thé par exemple et qui veulent les utiliser en verrine avec le petit liseré doré, c'est le top. Sinon, vous avez par 6. Hein. Ça, je vous les ai montré la dernière fois, 2,49€ les carafes. Voilà, on a ici le retour de ces petites bouteilles. À 69 centimes. Alors vous les avez en plusieurs couleurs, hein. Elles sont en vert. Là vous avez du bleu, vous avez du rose, vous avez du jaune, du vert, et puis c'est tout. 300 millilitres, 69 centimes. Vous avez également des pots à provisions avec le couvercle en plastique ici, 1,69€. Ça c'est nouveau. Vous avez du gris, du blanc, du bleu et du vert. Voilà, 1 litre. Ça se visse et c'est 1,69€. Si vous recherchez les boîtes de la marque Curva, alors ici elles sont au grand complet et elles sont en tête de gondole. Hein, donc vous avez tout. Vous avez la plus grande ici. Je crois que c'est celle-ci. 4,29€. 3,79€, 2,99€. Après, vous avez des boîtes ici de conservation pour mettre dans le frigo, par exemple. Pourquoi pas les biscuits. Petite nouveauté ici, hein, cet ensemble de trois petits faitouts. Je dis trois petits faitouts, hein. Il y en a un qui fait 18, le plus petit fait 18. Celui-là, il fait 20 et le plus grand, il fait 24 cm avec des couvercles en verre. Ils sont compatibles avec les plaques à induction et l'ensemble est à 34,95€. Alors vous avez ça, vous avez également cet ensemble là à 19,95€. Alors il est composé, pareil, il est compatible avec les plaques à induction, il est composé d'une poêle, une casserole et un petit faitout. Et puis vous avez celui-ci, c'est pas nouveau, je vous le montre, hein, c'est 3 poêles. Donc il y en a une de 20, 24 et 28 cm à 24,95€. Et pareil, il est compatible avec les plaques à induction. Je tourne en même temps, je vous filme, comme ça vous pouvez voir si vous recherchez un article, même si je vous en parle pas, vous allez pouvoir le voir s'il est en rayon ou pas. Là, c'est l'appareil pour faire des biscuits. 4,49€. Sablé. Alors, vous pouvez même décorer vos gâteaux parce qu'il y a différents embouts. Voilà, 4,49€. La machine à faire des frites, hein, la friteuse. 54,95€, hein, sans huile, celle-ci. Elle m'a l'air un peu plus moderne que celle qu'ils avaient déjà sortie. Même si ça reste la même marque. Là, vous avez les bouilloires en verre, 2200 watts, 1,7 litre, pardon, 15,95€. Voilà. Ici, les sets de table sont vraiment, vraiment pas chers. Alors, il y en a quelques-uns, hein, qui dépassent 1€, genre celui-là ou celui-là. Mais sinon, c'est en dessous de 1€. C'est rare de trouver des sets de table en dessous d'1€. Hein. Vous avez en plus différents modèles. Ceux-là, vous les avez en plusieurs couleurs à 89 centimes. Ceux-là, vous voyez, en magasin, en général, on les trouve à 1,29, 1,49. Encore dans les magasins pas chers. Sinon, en général, ça monte plus haut. Regardez, ceux-là, ils sont à 99 centimes. Perlé de 99, donc ça c'est un peu plus cher, mais c'est un petit peu normal. 33 cm. Les boîtes, ils en remettent chaque jour de nouvelles. Ils n'ont pas mis en même temps. Vous avez le thé ici, ça c'est la nouveauté. La boîte à thé, 99 centimes. J'aime bien parce qu'en fait il y a des reliefs ici. La boîte à thé, elle est super jolie.
Elle fait 12 cm de hauteur, 9 cm de diamètre. Je vais vous remontrer du coup hein, les autres. 1,99€, vous avez le café ici. Donc elle est grande celle-ci. Elle fait 18 cm et 11 cm de diamètre. Vous avez épices, hein, pareil, j'aime bien toucher ce côté-là, c'est avec des reliefs. 88 centimes, vous avez pour les céréales, ici, 3,49€. Et le thé, 2€. Alors, les sachets de thé plutôt. En fait, ils auraient dû rien noter, en fait, comme ça on peut les utiliser pour les biscuits. Alors, peut-être arriver, hein, celle pour les biscuits, mais comme ça on peut les utiliser vraiment pour ce qu'on veut. Voilà, et puis je crois pour les boîtes c'est tout hein, au niveau des nouveautés. Ils ont remis des couvercles ici qui s'adaptent à du 24, 26 et 28 cm à 4,95€. Les pailles ici, pareil, il en reste, hein, je sais que vous me demandez du doré. Voilà, elles sont pas chères aussi, elles sont à 99 centimes et elles sont vendues par 4 avec le petit goupillon. Alors, on m'avait demandé, donc ça passe pas au lave-vaisselle. Moi, je l'aurais pas mis au lave-vaisselle. Vous l'avez à la main hein, avec le petit goupillon pour nettoyer l'intérieur. Vous l'avez également en couleur argentée à 99 centimes. Sinon, vous les avez par 10 et là, ils sont en bambou et ils sont à 99 centimes également. Là, vous avez les couverts, vous avez les dorés, ils existent en noir, 9,95. Ça, c'est les petites fourchettes, les petits couteaux noirs ou dorés. Pas les petits couteaux, hein, petite fourchette ou les petites cuillères, 2,62€. Petite nouveauté également, c'est un lot de deux passoires. Il y en a une grande et une petite avec un manche en bois. Alors celle-ci, je suis en train de regarder, 2,22€. Je regardais s'il y avait les dimensions, mais ils n'y sont pas. Sinon, vous avez une grande. Si vous cherchez une grande comme ça, alors avec manche en métal. 2,49 celle-ci, elle fait 20 cm. Allez, je voulais remontre hein, ici 1,59€. Ici, c'est dessous de verre. Moi, j'aime trop, je trouve trop joli. 1,59€. Et les ronds, ils sont à 1,59€ également. Ils sont vendus par 4, hein, ceux-là. Je vous les ai montrés. Allez, petit tour du côté des produits, peut-être d'entretien. C'est des produits que vous me demandez. Souvent, là pour les vitres, 1,79€. Ça, c'est pour décoller les étiquettes. Ou alors les résidus de colle quand vous retirez un des étiquettes. Il est à 1,99€. Vous avez ça pour nettoyer l'argenterie ou le cuivre. Alors, vous avez le bleu ou le rouge. Donc, le bleu, c'est pour l'argenterie. Et puis, le rouge, c'est pour tout ce qui est cuivre, laiton, le bronze. Voilà, c'est des flacons de 230 ml. Du côté des produits d'entretien, vous avez également ici hein, le percarbonate de sodium à 1,99€. Hein, ça, c'est bien pour les vêtements. Ça blanchit. J'ai pas encore testé, hein, mais apparemment, j'ai beaucoup de retours hein, positifs de ce genre de produits. Bah, ça, le bicarbonate de soude, moi, j'utilise quasiment tout le temps pour l'entretien. Et même sur les moquettes, en fait. Je saupoudre les moquettes. Alors, je sais pas si c'est des billes. Voilà, je saupoudre les moquettes, je laisse poser. Et puis après, je passe l'aspirateur sur le matelas. Ça retire les mauvaises odeurs. Ça détartre, ça absorbe vraiment tout. Ça nettoie, ça dégraisse et ça blanchit surtout. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.